Vous pouvez interagir dans la fenêtre de chat, donc n'hésitez pas. Donc, il est 11h, c'est l'heure du coup de démarrer ce matin sur ce nouveau webinaire WeNetwork que nous avons choisi d'intituler IA Bracadabra, réponse quels sont les nouveaux usages de l'IA dans l'industrie? Donc, je suis Julien Filliot, responsable marketing et communication au sein de WeNetwork. Je prendrai le rôle de modération pendant les 45 minutes que nous allons passer ensemble. Aussi, n'hésitez pas à interagir avec vos questions ou commentaires sur le fil de chat qui s'affiche sur la droite ou en bas de votre écran, sur votre ordinateur ou depuis l'application de smartphone Zoom. Donc, notre intervenante ce matin y répondra à l'issue de sa présentation. Donc, vraiment, n'hésitez pas au fur et à mesure que les questions vous viennent à intervenir sur le chat uniquement. Alors, du coup, ce matin, nous allons parler d'intelligence artificielle. Cette IA mise en avant ces derniers mois, ça fait 2, 3 ans qu'on en parle, pour des applications industrielles qui se font de plus en plus nombreuses, qui font de plus en plus parler d'elles, dans à peu près tous les secteurs économiques, comme la smart agri, comme le secteur automobile, l'énergie, les travaux publics et bien d'autres encore. Et c'est vrai que les apports concrets de l'IA, cette boîte noire souvent mystérieuse et parfois fantasmée, se vérifient aujourd'hui sur des cas d'usage de plus en plus nombreux, finalement. Et c'est pour ça que nous avons invité ce matin Pierre Girardeau. Donc, Pierre, tu es expert data chez CrossData. Et donc, vous gérez un certain nombre de sujets au quotidien avec des industriels qui cherchent à optimiser leurs process grâce à l'IA. Donc, Pierre, je te laisse te présenter. Je vais te donner la main sur le partage d'écran. Bien. Donc merci Julien pour l'introduction, puis merci pour l'invitation. Donc effectivement, alors je vais prendre la main sur le partage d'écran quand tu me l'auras donné. Juste en attendant, je me présente. Donc Pierre Girardeau, je suis un des associés cofondateurs de CrossData. CrossData, c'est une société qui est basée à Angers, spécialisée en intelligence artificielle, donc pour l'efficacité commerciale et industrielle des entreprises. Moi, en termes de profil, disons, je suis ingénieur docteur en mathématiques, avec une quinzaine d'années d'expérience dans l'industrie, avec des acteurs industriels. Je suis très content de faire ce webinaire ce matin, et en particulier, je serais très content d'échanger avec vous à l'issue de la présentation, parce qu'effectivement, l'IA, on en parle beaucoup, et nous, on se rend compte qu'il y a un gros besoin surtout de se remettre les pieds sur terre, de démystifier ce sujet qui fait effectivement, qui est l'objet de beaucoup de fantasmes, mais qui est en fait quelque chose de très très concret et très très réel. Alors, je n'arrive toujours pas à partager mon écran, Alors attends, parce Julien. que hop, je ne vois plus l'option. Pourquoi je ne vois plus l'option? Alors, que se passe-t-il? Je vais. Ok, alors attends, une seconde. Pourquoi j'ai plus l'option? Alors, Voilà. sinon je crois que tu avais les... Attends, sinon ce que je vais faire, je vais te donner la main. Ça va être plus simple. Voilà. Vas-y, tu es l'animateur. Ah, je suis l'animateur, mais je te remercie. Voilà. Hop, et vous devriez maintenant voir mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, de mon C'est bon. côté. Ok. Merci Julien. Et donc effectivement, le sujet pour moi ce matin, ça serait de nous remettre un peu les pieds sur terre sur ce sujet de l'IA, et en particulier dans l'industrie. Alors,
commencer, un des fantasmes qu'on voit le plus souvent, hein, c'est l'IA, c'est un espèce de robot humanoïde avec des fils derrière le crâne. Bon, c'est pas vraiment ça aujourd'hui, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est l'IA? En fait, simplement, moi j'ai commencé par aller voir la définition du Larousse, hein, c'est l'ensemble des théories et techniques qu'on met en œuvre pour réaliser des machines qui vont être capables de simuler l'intelligence humaine. Donc de faire comme si c'était un humain qui le faisait, simplement. C'est une machine qui va le faire et donc ça s'adapte très bien à des tâches répétitives, voire lourdes à réaliser. Et donc en pratique, ce sont des algorithmes, donc des programmes informatiques, des suites d'opérations mathématiques, des plus, des moins, des multipliés, qui permettent d'apprendre une tâche sur une situation donnée et de la répéter dans un contexte similaire. Alors, l'IA, est-ce que c'est nouveau? Non, moi, on m'a dit une fois, bon Pierre, je ne sais pas exactement quel âge vous avez, mais l'IA, c'est quand même beaucoup plus jeune que vous. Qu'est-ce qui vous a amené à ce poste? Alors en fait, non, l'IA, c'est bien plus vieux que moi. Donc, je ne vous dirai pas mon âge, mais l'IA, c'est bien plus vieux que moi. L'IA, c'est né juste après la Seconde Guerre mondiale, en fait. L'IA, c'est né. Alors, l'événement exact, enfin, il n'y a pas de date de naissance de l'IA. Mais dans les années 50, il y a des chercheurs, notamment Alan Turing, qui a développé un test. Alors, je dis juste un mot sur ce test qui est intéressant. Pour ceux qui ont vu le film Blade Runner, on retrouve ce test qui permet de différencier une IA d'un humain. Eh bien, vous vous mettez de l'autre côté d'un rideau. Derrière le rideau, il y a un humain et une IA. Vous conversez avec les deux pendant une dizaine de minutes. C'est si au bout d'une dizaine de minutes, vous ne savez pas dire qui est l'humain, qui est l'IA derrière le rideau, alors ça veut dire que effectivement on est bien face à une intelligence artificielle puisqu'elle a su vous duper. Donc ça, c'était le test de Turing. Il y a une conférence fondatrice quand même en 56 aux États-Unis sur l'IA. Alors au départ, l'IA, c'était quoi? C'était un sujet de recherche qui visait surtout à comprendre comment l'être humain est capable d'apprendre. Et comment il cherchait à faire ça? Il cherchait à modéliser le schéma de pensée d'un être humain à l'aide d'équations mathématiques. Et donc ça a été un sujet de recherche pendant des années, avec des premiers résultats très rapides, puisque dès la fin des années 50, le premier neurone artificiel, on parle aujourd'hui de réseau de neurones, mais c'est vraiment né en 57, le perceptron. Donc le premier neurone artificiel a été proposé et développé. Et pendant la fin du XXe siècle, il y a eu effectivement un grand essor de la recherche, que ce soit dans des domaines comme l'apprentissage automatique, qui fait partie de l'intelligence artificielle, l'apprentissage par renforcement, le deep learning, donc l'apprentissage profond. Personnellement, dans l'IA, moi, je considère qu'il faut mettre aussi beaucoup de parties de l'optimisation mathématique, ce qu'on appelle la recherche opérationnelle, souvent, qui est très utile dans l'industrie. Ça a été aussi beaucoup, beaucoup développé dans la seconde moitié du XXe siècle, ce qui a abouti à même des réalisations qui ont pu apparaître dans les journaux, comme Deep Blue d'IBM à la fin des années 90, qui a battu le champion du monde des échecs, Garry Kasparov, lors d'une partie assez mémorable. Et depuis les années 2000, un énorme essor de l'IA. Donc, on en parle beaucoup là depuis 4, 5, voire 10 ans dans certains secteurs. Je vais revenir sur pourquoi cet essor maintenant. Il est très lié au web. On s'est posé la question justement pour ce webinaire. Alors, pourquoi l'IA aujourd'hui? Alors, pourquoi d'abord des fromages sur cette slide? Parce qu'on a cherché un camembert, on n'a pas trouvé. Donc, on vous a mis une autre variété de fromage. Alors, pourquoi l'IA aujourd'hui? Trois raisons. D'abord, les capacités de calcul des ordinateurs qui n'ont fait que croître ces dernières années et qui nous permettent aujourd'hui de mettre en œuvre des algorithmes qui ont été designés il y a des dizaines d'années parfois, mais qui ne pouvaient pas être utilisés de manière performante tant qu'on ne disposait pas de ces capacités de calcul. Ça, c'est la première raison. Une deuxième raison, c'est l'open source. Alors, l'open source, c'est quoi? C'est le fait que les modèles, la plupart des modèles algorithmiques qui servent à faire de l'IA, de l'apprentissage automatique aujourd'hui, sont libres de droit et on peut les utiliser, y compris pour des utilisations commerciales, industrielles. Et on peut les récupérer sur Internet, notamment sur GitHub, qui est un peu le lieu où on utilise ce genre de code. Et donc, concrètement, par exemple, chez CrossData aujourd'hui, nous, nos data scientists, utilisent les mêmes outils de machine learning que ceux qui sont utilisés chez Google ou Facebook. L'open source, c'est vraiment une valeur qui est très forte dans la communauté de la data science. La troisième raison, c'est qu'on dispose maintenant de données en masse. Alors, les données en masse, elles sont apparues, bah, notamment avec le web,
l'avènement du web, aussi avec la baisse des coûts de stockage, donc des infrastructures, et puis également maintenant avec l'IoT, les objets connectés qui nous mettent à disposition un grand nombre de données, puisque au bout du bout, l'intelligence artificielle, ça reste des statistiques. Pour faire des statistiques, il faut des masses assez importantes de données. Alors, un point sur lequel je voudrais vraiment insister aujourd'hui, un des messages que je voudrais vous faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on est assez peu freiné par la technologie. Donc, si on veut se lancer dans un cas d'usage IA, on ne va pas chercher à le prendre du point de vue de la technologie, parce que justement, le fait que les capacités de calcul et de stockage soient peu coûteuses, le fait que les algorithmes les plus performants soient disponibles sur Internet, en open source, sur GitHub, font qu'on est relativement peu freiné par la technologie, même si, bien sûr, il y a des enjeux, notamment dans l'IoT, qui peuvent être liés au fait que des objets connectés pour embarquer de l'IA, ils vont avoir besoin de disposer quand même d'une énergie suffisante pour mettre en œuvre les algorithmes, pour les faire tourner. Ça peut causer des problèmes, certes. Il peut y avoir des problèmes de bande passante aussi si on veut faire des calculs dans le cloud et remonter des quantités importantes de données. Bon, voilà, il y a des choses un peu à la marge, mais sur le côté algorithmique de l'IA, aujourd'hui, on est assez peu freiné par la technologie. Donc, ce qui est important pour moi, quand on commence à travailler avec l'IA pour le domaine industriel, c'est de se concentrer sur le cas d'usage. Alors, pourquoi se concentrer sur le cas d'usage? Parce que la vraie valeur ajoutée, c'est celle qui sera apportée par le métier. Donc, vous pouvez vous poser la question. Qu'est-ce qui pourrait être automatisé dans mon process? Qu'est-ce qui pourrait être optimisé? C'est bien par là qu'il faut commencer, plutôt que par la question qui serait, tiens, qu'est-ce que je peux faire du deep learning aujourd'hui? Il y a du deep learning, qu'est-ce que je pourrais en faire? Non, la question c'est plutôt, quel est mon métier aujourd'hui? Quelles sont les tâches que je pourrais automatiser? Quel est le temps que je pourrais gagner à faire plus rapidement ceci ou cela? Et donc là-dessus, c'est vraiment la créativité qui est la seule, pratiquement la seule limitation. La première question à se poser, c'est si je vous dis data, IA, algorithme, dans votre métier au jour le jour, ça vous fait penser à quoi? Donc, posez-vous cette question et faites la liste. Faites la liste des cas d'usage qui vous viennent en tête. Vraiment, faites la liste à l'après-verre, hein, sans se limiter. Ça peut être, je voudrais savoir si une machine va casser avant qu'elle casse. Je voudrais que l'on m'aide à ordonnancer mes tâches de fabrication en un clin d'œil. J'aimerais détecter des défauts sur les pièces, peut-être en les photographiant, par exemple. Faites vraiment cette liste-là. Et puis ensuite, chiffrez. Chiffrez ce que chaque cas d'usage pourrait vous rapporter. Alors, il pourrait vous rapporter peut-être du temps gagné, peut-être des euros, peut-être de la robustesse sur votre process. Donc, essayez de les objectiver, en fait, ces différents cas d'usage. Ça, c'est vraiment la première étape. Je ne vais pas donner trop d'exemples là pour l'instant parce que je ne veux justement pas trop vous enfermer. J'en donnerai un petit peu quand même dans la suite de la présentation. Mais vraiment, essayez de penser au plus large. Et ça peut être à la fois sur le domaine purement fabrication, sur le domaine SAV maintenance, même sur des domaines purement financiers, comptables. Il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Et il faut vraiment commencer par le cas d'usage. Un second message que je voulais faire passer, c'est que l'IA, ce n'est pas seulement un outil pour faire des calculs. Moi, je le vois aussi comme un outil de capitalisation des savoir-faire humains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que mettre en place des algorithmes, ça oblige à formaliser des cas d'usage. Donc, ça oblige tout le monde à se mettre autour de la table, tout le monde, j'entends le métier, la direction générale, l'IT, et puis les différentes personnes qui représentent ces différentes entités, qui n'ont pas forcément tous et toutes les mêmes avis. Et ça les oblige à se mettre d'accord autour finalement d'équations mathématiques au final. Donc c'est des choses sur lesquelles, comment dire, ça ne laisse pas le libre cours à l'interprétation. C'est des choses assez carrées. Et dès lors qu'on fait ça, on facilite grandement, par exemple, l'entrée de nouveaux collaborateurs dans l'équipe. On facilite grandement la mise en place de process. Parce que pour qu'un algorithme sache faire ce que vous faisiez avant à la main, il faut que vous lui décriviez très précisément
quels sont vos objectifs, quelles sont vos contraintes. Et donc, l'IA, ce process-là de faire rentrer des algorithmes dans votre organisation, c'est aussi un outil important de capitalisation des savoir-faire. C'est aussi un volet très important quand on estime un peu ce retour sur investissement finalement de l'IA. C'est moins quantifiable directement, mais c'est un réel apport que nous, on ressent lorsqu'on accompagne des industriels à la fin des missions. C'est vraiment quelque chose qui ressort fortement. Un point peut-être intéressant aujourd'hui, puisque je suis face à des industriels. Nous, on travaille pour des industriels, mais pas uniquement. Et on se rend compte quand on met en place des algorithmes de l'IA dans les organisations, dans les entreprises, c'est quand même plus facile dans l'industrie que dans d'autres domaines. Pourquoi? Parce que dans l'industrie, vous avez une culture qui est déjà très orientée process. Et donc, avec nous, des data scientists, des mathématiciens, des ingénieurs, vous avez aussi des ingénieurs d'ailleurs dans l'industrie, bien sûr, on a un langage qui est un peu commun. On a un terrain commun d'échange. Et donc ça facilite grandement l'entrée de ces technologies dans vos secteurs. C'est plutôt plus facile que dans d'autres secteurs, comme, je ne sais pas, une agence de graphistes. J'ai rien contre les graphistes, mais on n'a pas toujours tout à fait la même manière de penser les choses. Et donc voilà, ces étapes-là préliminaires, on n'a pas besoin de les faire dans l'industrie. Ça facilite vraiment grandement l'implémentation des cas d'usage. Voilà pour la partie un peu générale. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, bon, d'accord, mais concrètement, à quoi ça sert l'IA aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait? Alors, ce que ça sait bien faire aujourd'hui, une IA aujourd'hui, c'est en gros automatiser des tâches répétitives. Donc, ça va être classifié. Alors, classifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des labels sur des éléments. Donc, par exemple, dire cette machine va casser, cette machine ne va pas casser. Cet élément-là, c'est un élément qui va faire défaut, qui ne va pas faire défaut. Cette ligne de facture, elle va dans la case comptable AJ45 et celle-ci, elle va dans. Voilà. Donc, classifier, c'est mettre des étiquettes sur des choses. Ça, l'IA sait très bien faire ça. Elle sait aussi segmenter, c'est-à-dire simplement faire des groupes sans forcément donner d'étiquette, mais simplement se dire j'ai un gros groupe comme ça de référence dans ma chaîne de production et je voudrais en faire 5 groupes afin de mieux les traiter derrière et de les séparer. Et donc l'IA va être capable comme ça de segmenter des objets. Et c'est bien sûr, c'est une des choses pour lesquelles elle est très bien connue, analyser du texte et des images. Elle sait aussi faire de la prévision, donc prévoir un carnet de commandes, prévoir des pannes, prévoir des températures, prévoir voilà, tout un tas de métriques en fait, dans le système industriel. Et puis elle sait optimiser aussi, donc optimiser des tâches en fabrication, optimiser l'ordonnancement des tâches dans un Gantt, voilà. Voilà un peu les différentes grandes classifications et autour de ça, en fait, se présente tout un tas de cas d'usage. Je vais vous en présenter un ou deux par la suite, mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas s'enfermer dans ces possibles-là et vraiment repartir du métier pour voir si ces cas d'usage sont intéressants pour vous. Alors, pourquoi justement un bon cas d'usage, c'est meilleur qu'une super solution d'IA? Ben parce que, y a des termes qui sont très à la mode, réseau de neurones, deep learning, et qui sont très utiles, des technologies qui sont très utiles, mais qui ne sont pas forcément utiles à tout. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce n'est pas parce que c'est complexe que ça sert à quelque chose. Et donc l'important, c'est ce que ça va vous rapporter, c'est ce que vous allez gagner avec ça. Un exemple de cas qui ne marche pas. Qu'on a pu voir, c'est un cas qui avait été engagé alors directement là, par la DSI, une DSI d'un client qui avait un budget sur 2 ans afin d'explorer les capacités du deep learning. Alors, c'était il y a quelques années, le deep learning, on commençait à en entendre parler dans les conférences, etc. Donc, ils voulaient utiliser le deep learning pour prédire des pas de machine. Et donc, ils ont pris ça comme un problème vraiment purement centré DSI en fait, et ni la production ni la maintenance n'ont participé en fait à la construction du cahier des charges. Et donc ils sont partis sur un mode exploratoire alors ça a duré un peu plus d'1 an. Il n'y avait pas de livraison intermédiaire
définie à la prod ou à la maintenance ou SAV. Et le sujet, il était par ailleurs vu par la direction comme un projet pur SI. Donc même la direction voilà, considérait que c'était un terrain d'expérimentation pour la DSI et qu'ils pouvaient un peu faire ce qu'ils voulaient. Bien sûr, ça n'a pas abouti parce que, en fait, au bout du compte, ce qui a été livré, ce qui a été montré à la production, bah, ils ne se sont pas du tout sentis impliqués. Enfin, pour quand je dis production, en fait, c'était production-maintenance. Ils ne se sont pas du tout sentis impliqués, ils auraient aimé être impliqués plus tôt. Et finalement, les réels cas d'usage qui auraient été utiles pour eux, ils ont été manqués. Et donc, ça, c'est un des aspects. Alors, je l'exagère un peu, hein, le cas d'usage, pour bien faire passer le message. Mais. Pour faire fonctionner les choses, il faut que les utilisateurs finaux soient vraiment dans la boucle depuis le départ. Un cas qui marche, au contraire, c'est une équipe de SAV, par exemple, qui souhaite comprendre si. Alors, on a eu le cas avec un client, il souhaitait comprendre si des pannes prématurées de leur matériel, ils livrent un matériel à leur client avec une certaine date de casse possible, date de péremption, on va dire, et parfois le matériel casse plus tôt que prévu chez le client. Et ils voulaient comprendre si une casse prématurée du matériel qu'ils avaient livré était due à des erreurs dans la fabrication ou alors était due aux conditions d'exploitation du matériel chez le client. Et donc, ils ont fait une analyse statistique en utilisant du machine learning pour comprendre si les facteurs qui impactaient sur une casse venaient de la fabrication ou venaient des conditions d'exploitation. Et là, sur ce projet-là, il y avait le SAV. La direction générale qui était en soutien, en support, en sponsor, pardon, la DSI, bien sûr. Ils ont lancé une première phase d'un mois, juste un mois, dont le but était d'identifier si déjà il y avait les données nécessaires pour répondre à la question. Au bout d'un mois, ils ont dit OK, et ils ont créé donc une task force avec SAV, SI et prod. Et ils ont créé, en fait, ils ont fait une veille sur les outils statistiques qui pouvaient leur être utiles pour répondre à la question. Et donc, au bout du compte, ils ont utilisé du machine learning là, pour répondre à cette question-là. Ils se sont rendus compte, en fait, en analysant ça, alors les résultats, ça a pris 2-3 mois de mémoire, l'étude, ils se sont rendus compte qu'en fait, ces pannes prématurées, elles provenaient des conditions d'exploitation et pas de la fabrication. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle pour eux. Mais ça leur a permis en fait, d'échanger avec leurs clients de manière tout à fait saine, en disant, bah, voilà, on a mesuré A, B, C, et puis on se rend compte qu'effectivement, dans telles conditions d'exploitation, le matériel casse prématurément et il faudra mieux l'utiliser comme ci et comme ça. Donc ça a vraiment bien fonctionné. Alors, pour résumer, donc, qu'est-ce qu'un bon cas d'usage? C'est un cas d'usage qui, premièrement, va venir du métier, qui va être utile. Donc, on va avoir mesuré son retour sur investissement et il est positif. Alors, il est positif à long terme et à court terme. Parce que pour engager les équipes dans un projet, c'est important d'avoir des livrables qui rapportent quelque chose assez rapidement. En 2-3 mois, c'est bien d'avoir un quick win qui peut, comme ça, évangéliser au-delà du premier cercle en fait, sur ces problématiques-là. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Et qui réunit une équipe transverse. Donc, une équipe transverse, c'est le métier. Là, ici, parce que ça reste quand même, au bout du compte, des algorithmes implémentés dans le système d'information. Un support de la direction générale. Parce que ça reste quand même des projets, ça ne peut pas avancer aussi vite. Et donc, l'appui de la DG centrale. Un deuxième et dernier cas qui a fonctionné, que je trouve intéressant parce que c'est pas aussi forcément l'IA dont on parle au jour le jour, mais ce sont des algorithmes qui sont très très utiles dans l'industrie, qui sont employés depuis parfois des dizaines d'années, mais dans beaucoup d'industries, elles ne le sont pas encore aujourd'hui. Donc les problématiques d'ordonnancement. Ordonnancer les tâches de production, donc les tâches qui doivent être faites sur les machines, on a des dizaines de machines, des milliers de références, on a des contraintes de précédence parce que tel élément pour être construit, il faut que les deux éléments antérieurs ils aient été construits également. Ça, c'est des choses sur lesquelles la recherche opérationnelle, les algorithmes de ce type-là fonctionnent très bien. Et aujourd'hui, mélanger avec du machine learning pour prendre en compte des contraintes de risque comme le fait de limiter le risque d'avoir un stock mort ou le fait de limiter le risque d'avoir des retards pour cause de rupture d'approvisionnement, ça se mélange très bien. Donc, ça, c'est des cas qui viennent du métier, c'est-à-dire au lieu d'avoir à placer mes tâches moi-même sur mon Gantt à chaque début de semaine, j'aimerais qu'une machine m'aide
à le faire, quitte à ce que je le modifie à la marge ensuite, mais en tout cas me gagne du temps là-dessus. Ça, ce sont aussi des choses qu'on voit se faire et qui marchent très bien. Et là, le retour sur investissement, bah, c'est on a augmenté notre TRS, on a minimisé nos retards, on a lissé la charge sur les machines. Je vois l'heure qui tourne, donc on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait, avec quoi vous pourriez repartir en fait de ce webinaire. Avant de se lancer dans un projet data IA, il y a quelques questions qu'il est peut-être bon de se poser. Quels sont les process qui sont utiles à mon métier? Est-ce que le fait d'avoir des données, des algorithmes, pourrait les améliorer ou pas? Si la réponse est oui, alors ces données, est-ce qu'elles sont disponibles? Éventuellement, à quel prix? Parce qu'elles ne sont pas toujours à nos dispositions. Est-ce qu'elles sont propres? Est-ce qu'elles sont utilisables? Est-ce que je peux me débrouiller tout seul avec Excel? Parce qu'en fait, l'IA, ça reste des statistiques et parfois, Excel fait des très bonnes statistiques et on peut peut-être déjà commencer à se débrouiller tout seul. Si on est limité par ces. Alors, je dis Excel, ça peut être l'ERP qu'on a déjà dans l'organisation, ça peut être les différents outils qu'on maîtrise déjà. Et on peut se demander, ben voilà, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Et si j'ai besoin d'aller plus loin, surtout, choisir un projet facile au début et pas l'usine à gaz qui sera livrée dans 2 ans. Ça permet une conversion plus efficace. Dernier point, ben faites-vous accompagner. Donc, vous avez WeNetwork là, qui est ici aujourd'hui, la CCI, les technopoles, la BPI, les régions, bien sûr les spécialistes data et IA. Et en particulier du côté des aides à l'investissement, mais on va y revenir après. Il y a différents guichets qui sont proposés par l'État, notamment Industrie du Futur, que vous devez connaître. Il y a Booster qui devrait sortir bientôt dans le cadre du plan de relance qui est fléché par l'État, et donc dédié aux problématiques d'IA. Et puis les DIAC Data IA de la BPI. Donc il y a un ensemble de prestataires qui sont validés par la BPI sur la France pour faire des diagnostics Data IA et vous aider à mieux comprendre ce que vous pouvez faire avec vos données et avec des algorithmes. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile, qu'elle a été intéressante pour vous et surtout que vous avez des questions. J'en ai vu apparaître dans le chat et ça sera un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Julien, tu veux peut-être reprendre la parole. Ouais, tu as encore du temps hein, si tu veux, parce que donc là tu as évoqué un petit peu toutes les questions, la méthodo qu'il faut vraiment se poser avant de lancer un projet d'IA. Peut-être as-tu aussi en tête une illustration d'un très concrète d'un cas d'usage où après avoir mené ces premières étapes-là. On a eu un ROI, je ne sais pas, des chiffres derrière, avec un résultat, pour quand même dire, bah voilà, à quoi ça, enfin, qu'est-ce que ça peut donner concrètement, une fois que toutes les premières étapes ont été levées, quoi. Bah sur l'exemple, donc je parlais d'ordonnancement des tâches. Là concrètement, on avait des chefs d'atelier donc qui ordonnançaient les tâches à la main sur les différentes machines qu'ils ont dans l'usine. Ils n'arrivaient pas à mettre toutes les tâches qu'ils devaient faire sur une seule semaine. Donc il y avait des tâches qui dépassaient en fait un volume d'heures qu'on n'arrivait pas à produire dans la semaine. En 2 mois de travail, ce volume de dépassement, il a été divisé par deux. Donc maintenant, avec un algorithme qui optimise le placement des tâches, qui les propose à l'utilisateur, bon, l'utilisateur peut les modifier, hein, ça reste qu'une aide à la décision, hein. Ils arrivent à optimiser le placement des tâches et à resserrer le planning pour en faire rentrer plus. Et donc, le volume de dépassement a été divisé par deux, en fait, tout simplement. Donc, alors, c'est vrai que je me permets juste d'ajouter un petit truc. Quand il n'y a pas encore d'algorithme mis en place sur une problématique particulière, on voit tout de suite des gains qui sont vraiment d'un ordre, enfin, à deux chiffres, quoi. Et ensuite, on peut continuer toujours à optimiser et à rajouter des choses. Le gain principal, en fait, c'est déjà quand on passe de quelque chose qui était fait à la main à quelque chose qui est automatisé, optimisé. Là, on voit très régulièrement des gains à deux chiffres. D'accord. Alors, on avait effectivement une question sur la partie frein humain.
Est-ce que demain, un opérateur, un chef d'équipe qui a l'habitude d'organiser son planning, le planning de son équipe, ou l'opérateur qui a le métier, qui sait détecter les pannes selon avec ses années d'expérience, etc. C'est quoi les freins humains que toi tu as pu observer peut-être dans le paysage? Est-ce qu'il y en a eu? Comment ça s'est manifesté? Comment ça a été levé? Enfin, voilà, est-ce que tu as des Ouais. retours à faire là-dessus? Oui, il y en a bien sûr. Donc des freins humains, il y en a parce que ça reste une technologie qui est nouvelle. Donc des questions se posent de type est-ce que l'IA va venir me remplacer en fait dans mon travail, hein, très concrètement. C'est la principale crainte qu'on voit arriver. Alors justement, j'insiste sur le fait que c'est là où il faut que ces équipes-là soient impliquées. Parce qu'en fait, l'IA, premièrement, ça reste une aide à la décision, ça remplace très rarement l'humain, ça va permettre de faire plus rapidement des tâches qui étaient souvent quand même rébarbatives, lourdes à réaliser. Mais alors, nous, en tout cas, on est très très enclin à faire ce qu'on appelle du human in the loop, c'est-à-dire que l'IA va donner une aide à la décision, c'est quand même l'humain qui valide derrière. Ce n'est pas l'IA toute seule qui va gérer toute l'usine. Donc les freins humains, ils sont bien inférieurs dès lors que on va inclure les équipes depuis le départ et leur dire, bah voilà, qu'est-ce qui vous rendrait vraiment service à vous, en fait, et comment on peut mettre les choses en place pour que bah, ça vous soit le plus utile possible. Je ne sais pas si ça répond entièrement à la question, hein. C'est l'expérience qu'on a eue La là-dessus. question est vaste, Elle est vaste, ouais, c'est ça. Ouais. vaste et multiforme surtout. C'est vrai que moi j'ai en tête le retour d'expérience de Lacroix Electronics dans la construction de sa Ouais. nouvelle usine qu'on a fait intervenir il y a un mois quasiment sur Symbiose, Symbiose donc une usine 4.0. Et c'est vrai que l'approche qui a été choisie par Lacroix, ça a été avant même de définir quelle technologie, que ce soit en matière d'IA, en matière de, par exemple pour l'analyse des composants en sortie de chaîne, la qualité. Eh bien, c'était d'abord de réunir les équipes, de les faire travailler ensemble sur quelle vision de l'usine demain. Et c'est seulement, je crois que ça a pris au moins, à partir des premières étapes, 24 mois, quoi. Et là, il commence à y avoir la construction des premières pierres de l'usine. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est finalement ça le cœur. Tu as évoqué le fait que on a besoin vraiment de clarifier, d'être hyper limpide sur son besoin en interne. Mais du coup, pour cela, finalement, il faut impliquer en premier lieu l'opérateur. C'est bien comme ça que tu le vois, Oui, le... clairement. Clairement, lorsqu'on implique, enfin lorsqu'on crée en fait l'équipe côté client, l'équipe projet, il faut que, alors déjà, il faut que l'équipe projet se réunisse au moins toutes les 2 semaines, je veux dire, pendant la phase projet, il faut que ça soit quelque chose de très très rythmé pour que le projet soit toujours chaud dans leur tête et que quand ils reviennent à leur tâche, en fait, ils puissent se dire, ah bah tiens, c'est vrai que si j'avais ça, si c'était fait comme ça serait encore mieux. Et puis il y a un peu cet exemple des petits pas, moi, que j'aime bien utiliser, là, qui est très utilisé notamment au Japon. Enfin, c'est quelque chose qui vient de chez Mitsubishi, je crois, le Kaizen, qui dit qu'en fait, c'est finalement n'importe qui dans l'usine peut améliorer le process. Et c'est les gens qui sont au plus près du terrain qui souvent ont parce qu'ils sont au plus près du terrain, des idées qui, multipliées par 1000 ensuite, vont faire des vrais gains d'efficacité. Et donc, le fait de les impliquer dès le départ, ils sentent qu'on ne leur apporte pas une contrainte supplémentaire ou quelque chose qui va venir les remplacer, mais on leur apporte plutôt une opportunité de faire mieux leur travail plus rapidement, plus facilement, voilà, et de faire plus de choses. Donc, ouais, c'est fondamental. Et franchement, enfin, franchement, c'est même plus que ça. Moi, j'ai jamais vu. Alors, bien sûr, en début de mission, souvent, les opérationnels, ils arrivent à la réunion, ils ont les bras croisés comme ça, là.
et puis on se demande un peu comment ça va se passer à la fin. Mais quand on les implique dès le départ, je peux t'assurer que très progressivement, pendant cette réunion, ils décroisent les bras et ils reposent les mains sur la table et ils disent, ah, ok, là, on est vraiment là pour me faciliter voilà, le travail. Ouais, c'est clair, c'est un petit peu l'augmentation du professionnel à tous les niveaux, que ce soit sur la ligne de production ou bien dans les échanges entre les différents services. C'est ça, Le professionnel exact. augmenté par ces outils d'aide à la décision, qui Exactement. enfin, grâce à la. C'est aussi ça, hein, finalement, la nouveauté, ce que tu dis, c'est que c'est la puissance de calcul. On voit bien toutes ces, tous ces serveurs cloud. Avec le deep learning qu'on est capable de mettre en place limite avec quelques clics après une forme, après un tuto de 15 minutes. J'exagère peut-être à peine, mais en tout cas, tout est à disposition maintenant, les outils sont à disposition et finalement, c'est ce côté. Oui, il y avait une question, je crois, là-dessus. Je me permets, juste que je me permets. Oui, j'ai vu effectivement. Donc, c'est Laurent Koenig hein, qui adhérent chez Winetwork. C'est, pardon. Alors, moi, ce que je voyais comme question, ce que je voyais comme question, c'est l'IA est plus utilisée dans les grands groupes ou bien également dans les PME, TPE. Ça me faisait penser à ça. C'était Simon Boisserf qui pose la question. Alors, historique, enfin, les grands groupes, effectivement, sont assez précurseurs là-dedans et ça fait déjà quelques années qu'ils utilisent ce genre de technologie. Et la nouveauté, c'est justement que ces technologies deviennent accessibles à des PME, voire des TPE. Enfin, après, ça dépend où on met la barrière exactement, hein. Mais ça devient en tout cas beaucoup plus accessible du fait, effectivement, de la diminution des coûts sur les capacités de stockage et de calcul, du fait aussi que ces technologies se répandent, c'est-à-dire que maintenant vous avez même des technologies d'IA qui sont disponibles. Vos opérateurs à la DSI, en fait, ça va être disponible dans les langages que ces opérateurs de la DSI connaissent. Donc des langages qu'ils ont l'habitude d'utiliser ont ajouté des modules de machine learning, d'IA, qui leur permettent déjà de commencer à faire à faire des choses. Et puis, le fait que ces codes soient disponibles souvent en open source, donc en particulier gratuits, fait que maintenant, ça devient beaucoup plus accessible. Mais c'était aussi une autre question que tu voulais que répondre, je crois, Julien. C'était une autre que tu avais en tête, non? Non, non, bah écoute, je Non. pense qu'il y a bien répondu. Donc, il y avait une question sur l'insertion de nouveaux collaborateurs. Donc, je pense qu'on y a peut-être partiellement répondu. Facilitation d'insertion de nouveaux collaborateurs. Est-ce que tu avais des exemples là-dessus grâce Oui, à. alors j'ai des exemples, alors pas sur l'aspect industriel, mais alors du coup sur le volet commercial qu'on connaît bien aussi chez CrossData, puisqu'on fait aussi des outils de conquête commerciale pour la prospection. Et là, typiquement, on fait des outils qui vont aider en fait nos clients à trouver des prospects qui ressemblent à leurs bons clients. Et là-dessus, quand des nouveaux commerciaux arrivent dans l'entreprise, c'est le premier exemple qui m'est venu là, donc, mais vous ferez le parallèle facilement, je pense. Quand des nouveaux commerciaux arrivent dans l'entreprise, bah, au lieu de leur dire, bah, tiens, voilà ta valise, voilà ta C3, et puis va sur la route chercher des clients, là directement, en fait, ils arrivent avec un outil qui leur propose des prospects à aller voir. Donc, ils ne vont pas frapper à toutes les portes, ils vont directement aller frapper aux portes des prospects qui ressemblent à leurs bons clients. Et les bons clients, c'est donc les clients qui sont référencés comme tels dans le système d'information de la boîte. Donc, on a capitalisé en fait l'information de ce qu'est un bon client et un mauvais client pour vous à travers ces algorithmes-là, de sorte que quand il y a un nouveau commercial là, qui arrive, eh bien, il est plus efficace beaucoup plus rapidement. Voilà. Et ce serait la même chose, je pense, c'est l'exemple qui m'est venu, mais typiquement un nouvel opérateur qui arrive dans l'usine et pareil, on a un outil d'aide à la décision pour lui, il va pouvoir monter en compétence plus rapidement. Ouais. Donc l'accélération finalement de la montée en compétence. Une petite réponse rapide pour Simon Boisserp. Donc c'est GitHub, l'adresse du site qui référence les algorithmes IA en open source. Alors c'est un site, je crois qu'il est dans la présentation, je ne sais plus. C'est un site qui référence en fait beaucoup de code, pas uniquement d'IA. Un site qui a été racheté par Microsoft l'année dernière et sur lequel il y a énormément de contributions et en particulier sur l'IA. Je viens de remettre Voilà. l'adresse du site. Ça permet de collecter en fait toutes les contributions des développeurs du monde entier qui trouvent une possibilité de partage et d'évolution rapide de leur développement logiciel. Exactement, exactement. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Quels sont les KPI les plus courants que l'IA peut améliorer dans l'industrie? Ce que j'entendais tout à l'heure, c'est que ça dépendait vraiment du métier et de la situation de chaque Ouais. entreprise.
Est-ce que tu as quand même des petites Oui, bah ça va être flammes? en fabrication, ça va être le taux de rendement synthétique des machines, typiquement. Hein, ça va être des, sinon, ça va être des délais de livraison. Ça va être aussi en termes de gestion des stocks, bah, le volume de stock, en fait, tout simplement. En gérant plus finement en fait les stocks, on peut le diminuer. Les stocks sur certaines références tout en gardant un niveau de risque acceptable, voilà. Donc ça c'est ce qu'on voit le plus souvent sont autour de ceux-là. Je cherche, mais oui, ça en fait déjà deux ou trois. Alors j'avais vu. Oui, il y a une question sur le niveau d'erreur. Parce que tout ça, c'est des stats, donc Alors ça sur le. donne des pourcentages entre guillemets de certitude Oui. sur telle ou telle optimisation de scénario, par exemple, sur quel scénario il faut aller. Bah, le niveau d'erreur, alors c'est une question pas évidente. Le niveau d'erreur, j'allais dire, c'est plutôt à vous de le définir. Je vous renvoie la question. Qu'est-ce qui est acceptable pour vous? Il y a des process dans lesquels on veut bien accepter un niveau d'erreur. Enfin, ça dépend de quoi on parle, en fait, quand on parle d'erreur. C'est-à-dire, quel est l'impact sur votre processus? C'est vraiment ça la question. C'est-à-dire, si l'algorithme se plante, qu'est-ce que ça vous coûte présentement, et qu'est-ce que ça vous coûte éventuellement décalé, et qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter. Donc pour mesurer ça, alors oui, ça me permet peut-être de parler de la mesure, ça c'est super important, c'est-à-dire que quand on vous livre un algorithme, ne le croyez pas sur parole, surtout. Déjà dans les relations humaines, bon, c'est discutable de croire sur parole quelqu'un qu'on vient de rencontrer, quand c'est un algorithme, c'est encore pire. Donc il faut vraiment mesurer les choses. Et donc cette question du niveau d'erreur. Elle se rapporte pour moi à la mesure, c'est-à-dire posez-vous la question dès le départ de comment je vais mesurer ce que va m'apporter l'IA et comment je vais mesurer ce qu'elle va me permettre d'optimiser et comment je vais mesurer l'erreur et qu'est-ce que j'ai envie d'accepter en fait comme erreur. C'est à vous de le définir. Et après, dans plein de processus aujourd'hui, l'IA n'est pas capable de satisfaire à vos exigences en termes de niveau d'erreur parce que ça dépend non seulement de la capacité de l'algo, mais ça dépend aussi du volume de données qui est à sa disposition. C'est-à-dire, si vous lui donnez pas assez d'informations pour qu'il prenne des décisions intelligentes, bah, il n'y arrivera pas, quoi, automatiquement. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Bernard. Et cette phase de test, d'apprentissage, elle peut se faire sur une durée d'un mois, par exemple, et puis Oui, finir alors c'est par ça. Ces voir tests. qu'est-ce qu'on fait évoluer Ouais, ou. ces tests-là. Alors souvent, alors il y a plusieurs manières de faire. Nous, on appelle ça souvent de la validation croisée, c'est-à-dire que on va, par exemple, essayer d'apprendre sur une année donnée, 2017, et puis on va se servir de ce qu'il a appris pour simuler 2018 et voir s'il a fait mieux que ce qu'on avait fait à la main en 2018. Il n'a pas les informations de 2018, hein, donc il ne peut pas tricher normalement. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est une manière de faire. Sinon, on peut également implémenter l'IA sur une chaîne sur un atelier. Et puis ne pas l'implémenter sur un autre et comparer les performances des deux. Il y a plusieurs manières de. Test en aveugle ou Voilà. alors AB testing, quoi. Si on. Exactement, A/B testing, tout à fait. D'accord. Merci pour cette présentation et ces retours. Et merci pour vos questions à tous. Alors, du coup, pour conclure, donc peut-être que maintenant, vous voulez aller un petit peu plus loin sur finalement tout ça. Donc, ça, c'était les questions. On vous remercie avec Pierre et surtout ce qu'on voulait vous dire, c'est que donc vous êtes peut-être à des stades différents, peut-être que vous êtes tout juste en train de vous poser la question, comme on voyait tout à l'heure, de est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas trop cher par rapport à un grand groupe. Nous, notre approche chez WeNetwork par rapport à ces questions d'optimisation industrielle, c'est de se dire que la dématérialisation des flux, aussi bien côté IT que OT, qui peut s'appuyer derrière sur les technologies d'IA, sur les technologies d'IoT, bah, de toute façon, il n'est jamais trop tard pour s'y pencher, pour démarrer les premières étapes, pour faire des diagnostics. En ce qui nous concerne, on intervient par exemple sur les ERP, les MES, le WMS. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de clients qui se posent la question des premières étapes avant d'aller, une fois qu'on a fait ça, pour aller vers l'IA. Et c'est clair que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on accompagne sur un diagnostic data
les industriels, fort de notre expérience, entre guillemets, sur le terrain, fort du réseau également, au network. Voilà. Et derrière, s'il y a des besoins manquants, de data manquante, finalement, on est capable de vous aiguiller sur la partie logicielle, quel IoT mettre en place pour récupérer de façon fiable tel type de données. Après, on laisse la main à des acteurs comme CrossData. C'est pour ça qu'on l'avait invité aujourd'hui, parce que on voit bien que dans l'industrie 4.0, il faut se projeter toujours un petit peu plus loin qu'auparavant, puisque tout accélère un petit peu plus vite qu'auparavant. Et du coup, Pierre, je te laisse peut-être évoquer rapidement ce que vous faites dans les premières étapes, une fois que les besoins de data ont été identifiés, une fois que les faux cas d'usage de l'IA ont été évacués. Oui, C'est alors quoi l'approche que vous avez, vous? nous, effectivement, nous, on conçoit en fait des algorithmes sur mesure pour les industriels. Et donc, les différentes étapes qu'on va avoir, ça va être premièrement de formaliser le besoin, en fait, précisément, lors d'un atelier où toutes les parties prenantes dont j'ai parlé pendant la présentation sont présentes, les écrire vraiment sous forme d'équations mathématiques, c'est-à-dire que là, on ne peut pas se tromper, tout le monde est d'accord. Donc ça, c'est une première étape de formalisation, tout le monde se met d'accord, puis on sélectionne des algorithmes qui nous semblent répondre à la question, on les teste, on les valide d'abord de notre côté, puis avec le client, puis on les industrialise. Donc on les met à disposition, alors soit sur leur serveur, soit sur les nôtres, enfin là-dessus, c'est en fonction des contraintes propres à l'industriel. Et puis derrière, on assure éventuellement la formation quand la DSI veut reprendre la main sur l'outil et le maintenir lui-même. Donc ça, c'est un peu les différentes étapes. D'accord. Et le délai, la durée d'un projet peut s'étaler. Alors ça, ouais, c'est assez Voilà, variable. quand on a bien clarifié son besoin au préalable. Bon, ça peut aller très vite selon des cas d'usage simples, on a pu en faire en 2 mois. Voilà, je dirais qu'en moyenne, on aime bien que les projets fassent 3 à 4 mois, pas plus, quitte à ce qu'il soit découpé en plusieurs projets successifs, parce que ça permet, enfin, c'est un horizon de temps en fait qui permet à tout le monde de voir des résultats rapidement. Donc, arriver à avoir des cas d'usage auxquels on peut répondre comme ça en étape tous les 3 à 4 mois, mais que tous les 3 à 4 mois ça rapporte quelque chose, ça c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de pousser. Ouais, je comprends. Ok. Tu Voilà. as évoqué aussi des Alors, dispositifs, du coup, d'aide oui. pour aller plus loin. Est-ce que tu peux juste évoquer quel peut être l'avantage, l'intérêt immédiat pour un industriel qui veut accéder à... Bah, il y en a à différents niveaux. Donc, le premier peut-être à mentionner, c'est l'aide de la BPI sur les diagnostics data et IA, puisque c'est ce qui se passe le plus en amont. Là, l'idée, c'est pour la BPI de financer des projets où la direction se dit, tiens, l'IA et la data, c'est bien, je pourrais sans doute en faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je suis sur un secteur dit plutôt traditionnel et je voudrais donc transformer des éléments chez moi en utilisant l'IA et la data. Et ça, la BPI, donc si vous passez par un expert data IA, va financer 50 de la prestation de conseil pour des prestations qui vont jusqu'à 10 000 euros. Donc, vous n'aurez même pas avancé les sous. La BPI va payer donc au plus 5 000 euros du coup pour vous aider là-dessus. Et donc là, le livrable, c'est un diagnostic avec des cas d'usage chiffrés coût-bénéfice. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, dans le cadre du plan de relance, bon, il y a tout ce qui est industrie du futur où là, il y a un guichet au 31 décembre, je crois. Où donc en particulier sur des projets IA, l'État aide à financer, je crois que c'est à hauteur de 40% les investissements que vous faites dans le thème industrie du futur. Et puis prochainement va sortir, mais c'est en cours de construction par le ministère, par le sous-secrétariat à l'économie numérique, IA Booster. IA Booster, ça sera un peu sous le même format normalement que Industrie du futur, de ce que j'en ai entendu, mais dédié à l'IA pour accélérer justement sur ces sujets-là. Donc IA Booster, là, il faut suivre un peu les actualités, ça devrait sortir dans les semaines qui viennent. Ok, donc on a la méthodo, on a les budgets potentiellement si on se rend compte de cas d'usage pertinents pour son métier. Donc il n'y a plus qu'à, entre guillemets. Et on a aussi un rendez-vous qui arrive pas trop loin dans le calendrier 2021. C'est le West Data Festival, avec, je crois, une journée consacrée à l'industrie. Est-ce que je pense que tu vas y participer, Pierre?
Oui, nous on y Dans participe. le Alors c'est la cadre. troisième édition, on y participe chaque année. C'est vraiment un salon donc basé à Laval et qui est vraiment très intéressant. Là, il y a cette année une journée ou une demi-journée, je crois que c'est une journée dédiée à l'industrie. Donc allez voir sur le site. Effectivement, nous on y sera, mais c'est aussi des présentations de retour de cas d'usage, voilà, beaucoup beaucoup de choses. Très bien, merci. Je fais Voilà. un tour sur les questions, mais je pense que Digital Innovation Hub de l'Europe pour accompagner la digitalisation des entreprises. Oui, de toute façon, les dispositifs, il y en a un certain nombre en ce moment. Je pense que le premier là, qui sert vraiment à établir le diagnostic, c'est vraiment la première marche, entre guillemets, pour aller vers l'IA derrière. Donc, n'hésitez pas à nous relancer hein, derrière si vous avez des questions complémentaires sur ces sujets, vous avez nos coordonnées. On mettra ce replay du webinaire à l'issue de son enregistrement sur les serveurs de Google. On vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous étiez un certain nombre aujourd'hui. Et merci Pierre pour cette présentation bien claire et bien didactique. Merci à toi, merci à Voilà. We Network, c'était un plaisir. Merci. À très bientôt. Bonne journée à tous, au Bonne revoir. journée. Au revoir.